Ah, mais c'est toi, Frangin. Johnny m'a envoyé vous donner un coup de main. Johnny? Tu veux dire ce Johnny? C'est pas moi? Mais alors, ce serait moi? Non, ça ne viendrait jamais à l'idée d'être aussi prévenant. Quoi? Répète un peu pour voir. C'est trop drôle. Vous devriez penser à ouvrir une troupe de théâtre. Vous auriez du succès, à mon avis, non? Il vous faut quoi? Alors, en fait, on est venu chercher une pièce pour réparer la chaudière. Mais malheureusement, elle est plus fabriquée de nos jours. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait la faire nous-mêmes. Alors, on a décidé de chercher une puce de synthèse. Et ça donne quoi? Dans des moments comme ça, il nous faudrait un chocobo. On s'en occupe. Génial! Ce qu'il nous faut, c'est la méthode pour fabriquer une valve de chaudière. Quand t'auras trouvé la puce, tu pourras synthétiser la pièce qu'on veut, s'il te plaît? Eh, hey, mais dis donc, vous en demandez beaucoup, là! Merci d'avance! Si on n'a pas de chocobo, alors c'est à nous de devenir des chocobos. Je suis bien d'accord! Oui! À toi de jouer, chocobo Johnny! Et si nous aussi, on se dédoublait pour se faciliter la tâche? Arrête ça! On pourrait même ouvrir une agence de mercenaires. J'en profiterai pour créer un bureau aux boutailles. Et d'ailleurs, s'il y avait plein de cloud, la guerre contre la chinoise serait gagnée d'avance. Faut creuser ici. Oui. Ça, j'en sais rien. Attends, on n'a pas déjà creusé. Allez. Là. Mais imagine confiance. Un peu ce que ça donnerait. Hop. Un cloud, deux clouds, trois clouds, quatre clouds. Je suis entourée de plein de clouds qui parlent pas. Ce silence, c'est vraiment pesant. Tout compte fait, un seul cloud, ça suffit largement. C'est ce que je pense aussi. Où es-tu, petite puce? On n'a pas de chocobo, alors c'est à nous de devenir des chocobos.
c'est bien ça. On va pouvoir réparer la chaudière. Nos douches auront enfin de l'eau bien chaude. Bon, je crois bien qu'on a trouvé tous les doubles de Johnny. On retourne au gîte ? Alors en fait, pas vraiment. Il en reste un. Un ? Il y en a encore un ? Celui-là, il s'est mis en tête de décorer le gîte avec la couronne du légendaire roi Tombéry. Et il est parti le chasser seul dans le désert. Pourvu qu'il soit pas mort de soif quelque part. Dis, frangin, tu voudrais pas aller voir comment il va ? D'accord. Merci, frangin. Sur ce, nous, on va rentrer pour réparer la chaudière. On compte sur vous pour retrouver Johnny. Frangin, qu'est-ce que tu fais là? Bah, et toi? Bah, en fait, pour couronner les rénovations de notre beau gîte, je m'étais dit qu'une couronne de roi Tombéry ferait un très bel élément de décoration. Mais, faut aller par là. J'ai entendu dire que le roi Tombéry avait été aperçu dans le désert. Mais tu comprends bien que je peux pas risquer de m'y enfoncer à pied comme ça. Dis, frangin, ça te tente pas une petite balade sur les dunes de sable chaud? Et si jamais tu tombes par hasard sur un roi Tombéry, tu crois que tu pourrais me ramener sa couronne? En allant à une tour de transmission, on devrait pouvoir trouver ce roi Tombéry. Génial! T'es vraiment le meilleur, frangin! Je compte sur vous deux pour me ramener cette couronne, alors. Je vous attendrai jour et nuit s'il le faut. Mais essayez de revenir avant que je sois complètement desséché. Vous n'aurez qu'à voler la couronne du roi Tombéry directement sur sa tête. J'ai hâte de la voir entre les mains. Je vous attendrai jour et nuit s'il le faut. Mais essayez de revenir avant que je sois complètement desséché.
Yeah.